avoir organisé un tel salon ici à Montélimar? Bah écoutez, c'est la 20e édition, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant que nous organisons cela. Ça fait pas mal d'années que nous sommes maintenant aussi installés dans le parc, puisque c'est quelque chose d'assez ouvert et on trouvait que c'était intéressant de le faire ici. Et puis les concessionnaires aiment bien ce contact, ça permet de toucher une clientèle plus large, notamment les familles et avec pas mal de monde. Voilà, on voulait mettre l'accent sur les familles pour attirer une clientèle plus large afin que les gens puissent vraiment découvrir le salon d'une autre manière. On avait ce matin également les Calandes Montiliennes qui sont venues recréer un bouchon de la 7 avec des véhicules anciens. Donc c'était vraiment un week-end très sympa. Nous avons 13 concessions partenaires qui représentent environ 28 marques automobiles. Donc c'est un très beau panel de ce qu'on trouve sur le marché et notamment d'un point de vue montilien, on a quasiment toutes les concessions, donc c'est super. Pour nous, c'est toujours une grande joie de faire ces allées provençales, ces journées d'automobile, parce que c'est toujours un grand succès, beaucoup de monde qui vient nous voir. Et cette année, c'était un peu particulier puisque c'était la 20e édition. Donc une 20e année avec toutes les années, sans interruption, notre présence sur ces allées provençales avec l'ensemble de nos collègues concessionnaires. Philippe Jean, pourquoi avoir choisi finalement Montélimar comme ville où on peut présenter un salon de l'automobile comme celui-ci? Écoutez, je crois qu'on profite d'un espace un peu exceptionnel avec ces allées provençales parce qu'on est en extérieur, on est effectivement dans de la verdure, on est sur des périodes de l'année qui sont agréables en général. On a eu un peu de pluie pour l'inauguration, mais depuis c'est le grand beau temps. Donc on en profite et je crois que nos clients et nos visiteurs sont contents de venir se promener autour de 180 véhicules qui sont exposés ici. On a une gamme qui est très complète et qui en plus a la particularité de présenter le véhicule électrique. Et beaucoup de clients aujourd'hui sont intéressés par ce nouveau type de motorisation qui permet effectivement de réduire les rejets de CO2 et puis également d'avoir des consommations très réduites, enfin un coût d'utilisation très réduit. Et faire des économies effectivement.